Bonjour à tous. Alors, nous voilà pour un haul Noz. J'ai été à Noz cet après-midi. Donc, on est le... je sais plus combien. Le 7 août. Et je cherchais pour trouver des petits pochoirs. Comme j'ai vu sur certains hauls. Bon, j'en ai pas trouvé, mais j'en avais déjà trouvé avant. Donc, je ne suis pas pris la tête. Je trouve pas. Je ne trouve pas. Par contre, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Franchement, top. J'ai acheté ceci. Vous allez me dire, ouais, c'est pour mettre la sauce. Mais moi, je ne vais pas m'en servir pour mettre de la sauce. Donc, ça sera plutôt quand on... un objet détourné. Je vais détourner l'objet. Bon, j'ai pas payé cher, j'ai payé 75 centimes. Quand on fait avec l'encre à alcool, pour souffler, pour aller dans tous les coins, au lieu de souffler avec la paille, ben, je me suis dit que ça souffle quand même pas mal. Donc, pourquoi pas. Et pour 75 centimes, on peut le détourner. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà acheté ceci, que je ne sais pas où je vais le mettre, mais on va le mettre là. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses. J'ai trouvé cette boîte. Bon, c'est tout en chinois. Je ne traduis pas le chinois, donc je peux vous dire seulement que c'est 4 en 1. Il y a 36 couleurs. Et voilà. Donc, quand même, ils ont quand même marqué un petit peu là. C'est des crayons cire. C'est de la marque Viance, non toxique, et il y a quand même pas mal de petites couleurs. J'ai essayé d'enlever le petit autocollant, bien sûr, ça reste. Donc, j'ai pas payé très cher, j'ai payé 5 euros. Sachant que moi, quand j'en achète, je vais essayer de vous montrer la boîte. Voilà. Par exemple, là, c'est aussi des crayons cire. Des crayons gel. Bon, c'est pareil, cire, gel. Je paye à chaque fois 2 euros pour 6. Donc là, 36, 5 euros, ça va encore. Voilà. Hop, on va essayer de vous montrer. Donc, je l'ouvre. Donc, c'est bien rangé. C'est dans une petite malle. Vous voyez. Il y a tout ça comme couleur. Ils sont ici. Je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a quand même un sacré panel de couleurs. Il y a même des pailletés. Donc, c'est on rentre l'embout. C'est comme mes feutres. Ici, il y a des pailletés, enfin des nacrés plutôt. Ils n'ont pas d'odeur. Je testerai. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas tester. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs. On peut vraiment bien travailler avec. Si vous entendez un bruit, c'est un de mes voisins qui rentre avec sa moto dans son jardin. C'était chose à part. Voilà, donc ça je vais le mettre. On va mettre là, à côté de nous. Ensuite, j'ai trouvé quelques petits embellissements en bois de la marque Rayer. Rayer. C'était 59 centimes. C'est des petits embellissements vraiment très choupi. Mais là, c'est sur le thème Paris. Donc, j'en ai pris deux. Bah, il y avait plein d'autres petites choses. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc, là, sur le thème de Paris, ça valait le coup. Ensuite, j'ai trouvé des petits embellissements comme ça, de la même marque. C'est des toutes petites fleurs, on dirait. Bah, je les ai trouvées choupinou. Et aussi 59 centimes. J'ai pas dit non. Ensuite,
de la même marque. Attendez, je sors parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hop, ça va tomber et c'est pas le but que ça tombe. Ça, je vais mettre sur le côté ici. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, j'ai tout rangé. Et le sac avec. Voilà. Hop. Oui, on met en dessous. Ensuite, j'ai trouvé de la même marque. Et pour aller avec mes embellissements, des tampons sur le thème de Paris. Donc, à 99 centimes, la planche de tampons avec la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, la petite bannière métro ici, café au lait, le mot Paris. Bon, là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un... je sais pas. Bref. Très joli. Il y avait plusieurs... il y en avait une avec tous des points. Ou l'autre, c'était les points, mais à l'envers. J'ai pas pris. Parce que je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et après, il y avait d'autres planches aussi. Mais un petit peu moins de... Bah, allez, c'était pas une marque, c'était une... Je ne sais même plus le nom. Après, bon, il y avait des pas mal de perforatrices qui faisaient 3D. Enfin, ils en bossaient en même temps. Je n'ai pas pris non plus. Je me suis quand même limitée. Bon, j'en ai quand même eu pour 40 euros. Bref. Mais tu n'es pas ici parce que j'ai déjà donné pas mal de choses. À la personne qui m'avait demandé de prendre des petites choses. Voilà. Donc, je vous montre moi ce que moi j'ai pris pour moi. Donc là, une planche de tampon en caoutchouc. Je pense qu'elle est montée. Et c'est de la marque Fryer aussi. Donc, c'est plastifié. Oui. Et c'est monté sur mousse. Donc, bah après, je me dis que on peut couper chaque motif pour vraiment faire une sorte à la fois. Sinon, ça fait un petit peu trop. Voilà. À mon avis, je vais couper quand même en bandes, plates. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser vraiment séparément. Et ça, c'était 3,99€. Mais bon, elle est quand même pas mal, la planche. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est pour faire des... un mini-album ou quoi. Donc, on a les trois anneaux. Et on a trois modèles différents. Pour faire les mini albums, donc ça fera des gabarits en fait. Donc c'est cartonné, donc vous avez cette forme ci ensuite on a la forme comme ceci et cette forme ci plus nuage. Et après, bien sûr, on peut découper des feuilles, faire le gabarit et utiliser ceci. Et après, on a les trois petits anneaux pour 99 centimes. Franchement, bon, ok, il en manquera quand même 6. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les 6 d'un coup. Enfin, 9. Vu qu'il y a 3 modèles d'albums, je sais pas. Donc, ça, j'en ai pris 2, mais il y en avait encore pas mal. Donc, j'en ai laissé. C'est celui de Comines. Hein. Que j'ai été. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Là, il n'y en avait que 2. J'en ai pris un. C'est des matrices de découpe de chez Sizix. Hein. Mais vraiment les épaisses de chez Épaisse. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais l'ouvrir. Hop, cutter.
Et ils étaient franchement pas chers, à 99 centimes. Donc, je n'ai pas cherché du tout. Là, il vous montre déjà le modèle qui se présente. J'essaie de vous montrer. Bon, j'ai pas les cœurs, mais j'ai déjà ceci. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, c'est la lame qui est dedans. Donc, vous mettez ça dans votre Big Shot. Surtout, si vous faites votre Big Shot dans la machine d'action, je ne suis même pas sûre que ça marche. Mais dans Big Shot de chez CZX, il vous explique d'enlever les... D'enlever la grosse plaque et vous mettez les deux plaques en plastique l'une au-dessus de l'autre et ça découpe. Donc voilà. Alors, franchement, pour 4 euros, ça valait le coup. Et comme j'ai des petites idées pour faire ceci, j'essaie de la remettre déjà. Voilà. La découpe, bon. Je vais la garder vu qu'elle est déjà faite. Je vais la mettre dans le panier à découpe. Là, et ça je la range. Voilà, donc 3,99€ pour celle-ci. Ensuite, on avait une deuxième, c'était les étoiles. Je vais vous montrer aussi la découpe étoile, hein, le reste je vais pas tout sortir. C'est pareil, c'est aussi un bloc. J'essaie de récupérer la taille de l'étoile. Regardez, elle est quand même assez grande. Et franchement, elle est quand même bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, pour le prix, ça valait le coup. Et il y en avait un dernier. J'étais pas sûre de le prendre, mais quand je me suis dit. Bah alors, on va voir mettre un peu de scotch. C'est à côté. Il y a où mon scotch? Je cherche après. Hein. C'est vrai que là, il n'est pas bien mis. Je cherche après. Hop, on va le mettre là. Hop. Voilà. Et le dernier. Que je vous disais, je n'étais pas sûre de le prendre. Je me suis dit, je vais quand même le prendre car ça peut toujours servir, même pour utiliser que quelques pièces. Donc j'ai pris celui-ci. Là, il y en avait qu'un. C'était peut-être le dernier, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est des éléments ethniques. Donc demandez-moi pas. Quoi, qu'est-ce, je sais rien. Donc là, c'est la plus grande des découpes. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils en font qu'une. Bref, peut-être pour montrer que ça découpe le papier. Et derrière, c'est comme ceci. Donc, franchement. Et c'est quand même des beaux. Allez. Bon, et après, il est marqué là. Mais je vais le laisser dans la boîte, sinon après je ne saurais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. J'essaierai de faire une petite carte avec. Mais j'étais pas sûre de le prendre. Bon, je l'ai quand même pris. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et pour 3,99€ du 6X, voilà. Et on peut faire ceci. Voilà. Donc, les trois... matrice de découpe, et j'en ai trouvé une autre de chez 6X, mais là c'est une pour faire deux bordures, donc on peut faire celle-ci et celle-ci à 3,99€, et c'est une bordure mousse aussi. Donc franchement, c'était bien, et bonus inclus, je ne sais pas quoi. Donc pour plus de renseignements, merci de visiter notre site internet 6X.
Donc voilà. Bon, celle-ci, même si vous avez la machine de Jaxo, ça marche. C'est comme un gazeur d'embossage, à mon avis. La même épaisseur. Vous pouvez mettre qu'une moitié. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le format A4. Bon, maintenant, moi, j'ai le... Et encore, je pense que ça sera trop grand. Ben, c'est tout juste, hein. Moi, maintenant, j'ai la Mademoiselle Toga. Donc, je peux me permettre d'avoir des dailles, enfin, des matrices de découpe plus larges. Ça passera. Donc, ça, c'est pas le souci. Voilà ce que j'ai acheté à Noz. J'ai bien craqué. Bon, hein, entre deux, j'avais acheté des petites choses. J'avais été aussi à Action. J'avais acheté du... J'arrive à l'attraper, il y a en dessous. Du ruban comme ceci, mais bon, je me suis dit, je vais pas faire un haul que pour ça. Donc, j'avais vite rangé. Bon, je vous le montre. Et voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo haul vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.